The Grand Star annonce qu'il revient sur C8, Cyril Hanouna dément. Jeudi soir, The Grand Star a fait parler de lui. Juste après son interview sur TMC, les chroniqueurs de TPMP ont débattu de son sort. Et les deux camps n'ont pas la même version de l'histoire. L'âge de guerre a déterré. Jeudi soir, The Grand Star était sur le plateau de TMC pour sortir de son silence médiatique et faire le point sur les affaires qui l'entouraient. Face à Yann Barthès, le jeune homme a notamment déclaré qu'il était dégoûté des réseaux sociaux qui lui ont pourtant apporté la célébrité dont il jouit depuis plusieurs années. À la rentrée 2017, Thierry Ardisson avait recruté The Grand Star en tant que chroniqueur dans son émission Les Terriens du Dimanche, diffusée sur C8. Sur le plateau de TMC, la star du net a annoncé qu'il reviendrait prochainement à l'antenne dans cette émission et qu'il avait eu l'autorisation de ses producteurs pour venir parler sur le plateau de Yann Barthès. Toutefois, l'interview de The Grand Star était une exclusivité puisqu'il n'avait pas pris la parole depuis le mois de janvier. Le choix de venir sur TMC et le plateau de Quotidien, les grands concurrents de C8 et de Touche pas à mon poste, a fait grincer des dents chez la chaîne du groupe Canal et notamment celle de Cyril Hanouna. Ce dernier a d'ailleurs été clair hier soir, selon lui, The Grand Star ne reviendra pas à l'antenne sur C8. Il explique à ce propos, les dirigeants de la chaîne n'en veulent plus, après qu'il a choisi de parler à Quotidien. Ils n'acceptent pas la trahison. Difficile à l'heure actuelle de savoir si The Grand Star fera bien son retour ou non sur C8, même si l'on connaît le poids des décisions de Cyril Hanouna au sein de sa chaîne.